Pour nous comprendre, il faut nous suivre. Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, cette chaîne qui est là pour vous éduquer, pour vous informer, pour vous coacher, voilà, pour vous partager avec vous les informations les plus pertinentes concernant les projets crypto, dont elle a pour but à sensibiliser également, voilà, sur les projets crypto et l'avenir des projets crypto. Voilà, aujourd'hui nous allons consacrer notre petit temps de ce vendredi, voilà, parce que j'ai pris un petit moment pour partager avec vous le Shiba, voilà, son évolution, voilà. Donc là nous sommes dans le tuteur du Shiba Inu. Mais bon, là, avant de continuer, je vais aller sur mon groupe Telegram parce que j'ai à partager avec vous quelques informations ici. Bon, en ce qui concerne la capitalisation, elle ne fait qu'augmenter et le volume journalier ne fait que augmenter. Donc le volume journalier hier a avoisiné les 2 milliards, les 2 milliards à peu près, et la capitalisation actuelle est de 11 milliards. Voilà, ce sont des informations pertinentes comme ça que je tenais à partager avec vous, parce que vous savez, comme j'ai toujours dit, qui détient la bonne information détient le pouvoir. Donc moi particulièrement, c'est un token que j'ai négligé, voilà, l'année dernière en 2020, quand elle a été lancée. Je l'ai négligé, j'ai pas acheté vraiment de pièces. J'ai acheté des pièces, j'ai encore revendu. À un moment donné, j'ai revendu toutes mes pièces et j'ai commencé à racheter encore depuis le mois de juillet, je crois juillet, oui, depuis le mois de juillet, mais j'ai pas toujours acheté assez. Donc je regrette énormément de n'avoir pas vraiment pris ce projet au sérieux, parce qu'il est bien vrai, dans le temps on était concentré sur d'autres projets, mais comme pour dire alors que ne jamais négliger une crypto-monnaie sérieuse, ne jamais négliger une crypto-monnaie, parce que lorsque tu négliges une crypto-monnaie, elle te rattrape. Voilà, mais il y a encore moyen, mais on ne peut plus avoir des millions de pièces, on peut plus avoir des millions de pièces à moindre coût comme avant. Voilà, donc pourquoi j'insiste sur l'importance d'avoir du Shiba Uni? En seulement un an, la capitalisation boursière sur la photo telle que vous voyez là, oui, voilà. Regardez le volume d'échange seulement en 24 heures sur la photo. Voilà, tout est là. Voici la photo, tout est là. Le volume d'échange juste en 24 heures. Voilà, ça c'était hier. Maintenant, en un an, tout le monde entier parle et adopte le Shiba, parce que il y a plein d'entreprises déjà qui utilisent le Shiba déjà comme moyen de paiement. Voilà, ça va encore créer ce qu'on appelle de l'engouement. Voilà, donc c'est le moment alors, malgré que le prix actuel, on va aller sur le marché actuel, on va aller sur Trust Wallet. Attends, on va aller sur le marché, c'est mieux qu'on aille sur le marché, comme ça voir la valeur actuelle du coin, comme ça on est fixé là dessus. C'est Trust Wallet. Voilà, on a sur Trust Wallet. On va chercher le Shiba actuellement. Voilà, vous voyez, je n'ai que 4 millions de Shiba ici. Voilà, c'est rien du tout parce que j'ai revendu, j'ai vendu 22 millions de Shiba récemment. Voilà, voilà. Et lorsque j'ai revendu, les prix ont recommencé. Donc, bon, ça va, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Actuellement, voici la valeur du Shiba ici. Là, voilà, on va regarder les derniers. L'information sur les dernières 24 heures, la capitalisation, voilà, encore, voilà, on va regarder le prix actuel ici. Voyez le prix actuel, voilà, le prix actuel ici est de 4,0 après la virgule, donc 28, voilà, 28,5, voilà, ça va dire, il y a eu quand même une chute de environ 60, moins 0,70%, voilà. Donc nous allons continuer notre propos concernant le Shiba Inu ici, voilà. Bon, alors c'est maintenant que la politique de Shiba Uni va commencer, voilà, pour détrôner le Dogecoin, voilà, selon son slogan, selon son slogan, voilà, de Doge Killer. Donc ils vont tuer le Dogecoin. Ouais, mais il est sans ignorer qu'il y a Baby Doge qui est derrière. Donc cela signifie que le tueur du Dogecoin, c'est le tueur du Dogecoin. Voilà, ce sera le tueur du Dogecoin. Parce que le Dogecoin actuellement est à... Attends, on va regarder la valeur du Dogecoin. Parce que le Dogecoin n'a pas beaucoup évolué comme on le pensait. Voilà, on va regarder dans le Dogecoin ici. Moi, je n'ai même pas acheté le Dogecoin parce qu'au moment, quand je devais acheter,
L'idée a quand même trop cher. Voilà, on va voir le Dogecoin ici. Voilà, le Dogecoin est de 0,2. On va voir l'évolution du Dogecoin. Regardez l'évolution du Dogecoin. Juste sur un an. Regardez sur un an l'évolution du Dogecoin. Sur un an. Donc le niveau le plus haut était de 0,58. Donc il a commencé à. Ouais. Voilà. Ça, ce sont ses débuts. Ça, c'était à quelle période? Ça, c'était à quelle période? Ça, c'était en janvier. Ah, vous voyez, il a commencé en. C'est une vieille monnaie. C'est une monnaie qui existe depuis 2014. Vous voyez que de 2014, lorsqu'elle est entrée sur le marché le 17 mai, elle est entrée avec 0,0045. Donc, juste en combien d'années? En 7 ans. En 7 ans, elle n'a même pas atteint 1 dollar. Donc, c'est-à-dire que le Dogecoin, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette crypto-monnaie, mais normalement, elle devrait être plus élevée que le taux actuel. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'était juste une parenthèse. Voilà. Donc, c'est pour ça que Shiba lui dit ici qu'il va détrôner il va tuer le Dogecoin, voilà, avec sa politique, voilà. Bon, maintenant, voici dans la politique du Shiba Inu. Bon, ici, dans du mieux des pièces en circulation, adoption massive. L'adoption massive, c'est lorsque les entreprises utilisent déjà le Dogecoin comme moyen de paiement, voilà, ça va encore créer plus d'engouement, plus de visibilité autour de la crypto-monnaie, voilà. Elle va se créer sa propre blockchain. Là, ça devient intéressant. Donc, une fois cette politique mise en place, cette fin d'année, Shiba Inu sera le plus grand influenceur. Le plus grand. Bon, attendez, qu'est-ce que sera plusieurs personnes. Attendez, je suis un peu mêlé les pédales. Le Shiba Inu sera à 0,1 à la fin d'année. Ah, en fin d'exam. Oh, c'est ça vraiment intéressant. Donc, imaginez ceux qui avaient 1 milliard de Shiba. À cette période-ci, ils seront des millionnaires. Hein? Voilà. En fin de semaine, ils seront des millionnaires. Voilà. Donc, ici, là, plus de personnalités les plus influentes du monde, dont l'homme le plus riche, Elon Musk, l'a déjà prédit. Elon Musk l'a déjà prédit qu'en décembre, ça va avoisiner cet tel montant, parce que ce sont vraiment des personnes influentes. Voilà. C'est l'homme le plus riche du monde actuellement même. Bon, ce moment où jamais, c'est le moment où jamais d'avoir le Shiba Uni. Donc, malgré le prix, malgré le fait que c'est cher, donc un Africain égale 1 million de Shiba Uni. Voilà. Un Africain doit avoir minimum 1 million de Shiba Uni. Voilà. Bon, moi, parce que moi, j'ai seulement 4 millions. J'ai 4 millions sur ce. Voilà, j'ai 4 millions ici. J'ai 4 millions. 4 millions de. J'ai 4 millions de Shiba ici. On va voir. On voit, il y a 4 millions de Shiba ici, ce que je peux potentiellement avoir en décès d'exemple. Ici, j'ai 4 millions de Shiba. Bon, si actuellement la valeur de Shiba c'est 0,2, donc ça veut dire que si d'ici décembre la valeur est à. Voilà, vous voyez que j'ai. Là, c'est quand même loin, donc là, l'argent va entrer. Et pourtant, si j'avais 1 milliard, regardez, écoutons, si j'avais 1 milliard de Shiba. 1 milliard de Shiba, parce qu'il y a des gars qui ont des pièces énormes, hein, qui ont une quantité de pièces vraiment 1 milliard de Shiba ici. Ouf, on a 2 euros. Voilà, là, je suis à presque 100 000 dollars. Vous voyez que ça va très très vite. Oh, yeah. Mais bon, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je vais encore acquérir des pièces. Encore, je vais encore acquérir mes pièces de 1000 euros à peu près, malgré le prix actuel. Mais bon, c'est pas grave. On va que passer à la caisse. Donc, les gars, le projet Shiba, c'est un projet qu'il ne faut pas négliger. Donc, il y a encore moyen. Elle n'a pas encore atteint les 0,00. Donc, on peut encore l'acheter. Il est bien vrai que c'est cher. Mais si tu souhaites être millionnaire, bon, tu peux investir. Hein. Tu peux investir ce que tu es capable d'investir et attendre d'ici un an ou 2 ans. Lorsque ça va avoisiner 1 dollar. Parce que lorsque ça va avoisiner 1 dollar, ça va être encore plus important. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin concernant le Shiba, concernant le Shiba Inu ici. Donc on va rentrer sur notre. Voilà, on est rentré là, voilà, on est rentré là-dedans. Donc les gars, ne perdez pas de vue ce projet. Ne perdez pas de vue ce projet. Voilà. Essayez de partager aux uns aux autres, à ceux qui peuvent bien. Voilà. Donc. Là, ce que je l'ai dit, ce qui va se faire, c'est juste de vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer les différentes publications parce que nous partageons plusieurs projets sur le canal Telegram, Facebook, YouTube, tout ça et autres. Donc, vous devez vous abonner sur l'un ou l'autre ou sur.
tout pour être toujours informé et être à temps. Parce que dans le principe de la crypto-monnaie, il y a un élément qui ne manque pas. Voilà. Premier arrivé, premier servi. Voilà. Ceux qui ont acheté le Shiba au lancement, les milliards de Shiba au lancement, aujourd'hui sont des millionnaires parce qu'ils étaient là au moment du lancement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Premier arrivé, premier servi. Ça, c'est une logique qu'il faut garder en esprit. Voilà. On dit en Afrique que la terre appartient aux premiers occupants. Voilà. La terre appartient aux premiers occupants. Ça veut tout dire. Donc, les gars, ne perdez pas de vue ce projet. Si vous avez des questions, laissez-nous en commentaire. Nous faisons le plaisir de vous répondre. Donc, je reviens tout à l'heure avec le projet Saitama, un autre projet aussi intéressant qu'il ne faut pas négliger. Voilà, donc, les gars, lorsque je l'ai dit, la suite au prochain numéro. Bye bye.